Ah, vous voyez, le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Monte, je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux? Si, je le crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afria. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire. Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix, parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Baldur, il est au courant? C'est pour ça qu'il nous cherche? Tu me connaissais avant? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Hey, rien ne nous oblige à aller au tombeau de Tyr, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompu. Et c'est reparti. Lila. La mort elle-même j'engloutis pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît.
Je me demande si elle n'est pas de moi. Est-ce que c'est la réponse? C'est écrit terre. Engloutis la mort, recrée la vie. Vas-y. Yurt. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieu à régler et ils nous ralentissaient avec leurs broutilles. Vraiment? Tu ne vas rien lui dire? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein? Oui. C'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Celui-ci mentionne des endroits dont j'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. Et qu'est-ce qui est arrivé à Tyr? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Jotunheim manquante? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Où est cette rune noire, tête? Je ne sais pas, je ne suis jamais venu ici. La pierre! Ça doit être ça! Évidemment. Je ne pensais pas que ce serait aussi ça. Non. J'avais un espoir quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fais vite, ou il sera trop tard. Un skin du de ma contrée natale. J'en avais un aussi à l'époque. Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne t'aime.
très engageant. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour les sons. Les pères, comment on va passer? Vas-y. Fais attention, rien ne sera pas là pour toi, bien là. Silence, tête. Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très, très nombreux. Bons ou mauvais? J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Quelque chose t'a troublé dans le tombeau, c'était quoi? Ce n'est pas important. Ça avait l'air important pourtant. Je me suis laissé emporter. Tiens pas à rigueur. Waouh.
c'était presque une excuse. Il faut croire que t'aimes briser les vases. Ah! Écoute, je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Bonne chance. Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Regarde! Ce sont les loups géants, Skoll et Ati. Exact. Ce qui apporte le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune, c'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. Tu trouves pas ça chouette, d'être un dieu, et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Peut-être que maman voulait qu'on s'amuse. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et vu, c'était peut-être son cadeau à elle. On a terminé ici. Pour quelqu'un de si apprécié, Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin, et c'était justifié. Yeah!
unique. Elle descend. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Un piège. Père! Atreus, ne reste pas ici. Je vais bien. Comment on va te sortir de là? Tire sur les chaînes, le long du mur. Mais... il y en a trois. Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi. Tu peux le faire. Fais vite, petit. Je ne sais pas si je peux me noyer. Allez, réfléchis. Attirer le loup argenté, ils chassent la lune, scoller le loup doré qui chasse le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'air. C'est bien. Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Et Midgard est au milieu. Mais quel levier je dois tirer? Au milieu. À gauche. Celui du milieu. Je dois faire ça dans l'ordre. La lune à gauche, le soleil à droite et Midgard au nord. Celui de droite. À gauche, Atreus. La lune à gauche, le soleil à droite et Midgard au milieu. Le levier du milieu. Celui de droite. Je réussis. Bon, je ne peux pas me noyer. C'est déjà ça. On s'arrête pas. Une minute. À quoi sert cette grosse chaîne? Père, au-dessus de toi. Atreus, tu dois bloquer la chaîne. Mais comment? Je ne sais pas. Attends, je sais quoi faire. Son couteau? C'est le seul moyen. Ça marche pas. Ça aurait dû marcher. Je sais. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon. La rune est libre! Je crois qu'on a réussi! Bien. Allons voir ce que Tyra pour nous. Oh non! La rune de protection de Freya, elle s'efface! Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Et celle-ci? La pensée est plus rapide que le vent. Ah, un indice pour une énigme qu'on a déjà résolue. Celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes,
vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça. C'est bien. Viens. Contre des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Piètre troll. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour remonter ? On est si près du but. Assieds-toi. Du vin lemnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment ? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon ? Probablement. Mmh.
père. Pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? C'est juste que... tu détestes tellement les dieux. Mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi la tête. Nous, on l'est. Car on est sages. Mm-hmm. Tu parles de plus en plus comme ton père. Prêt? Prêt. Viens. Je sens que ça va me plaire d'être un dieu. On va où on veut, on fait tout ce qu'on veut, et maintenant on va rendre visite aux géants. Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim, on peut retourner à la porte sur le pic et utiliser le burin magique. Personne ne nous arrêtera cette fois. En avant !